هذا بقرة منك. مرحبا سيدي، مرحبا في البلوك. مرحبا انت سيدي احمد. الله يهديك. Soyez bienvenus d'abord. Merci. C'est la maison traditionnelle berbère qui montre un peu la vie des ancêtres. La vie traditionnelle, bien sûr. Comme ça, comme vous voyez, la maison est construite en pierre et terre. Et même le plafond s'est fait avec du bois local. C'est du palmier et aussi le bois d'arganier. Toutes les maisons, c'est au même plan, même architecture et même matériel. Pierre et terre, le bois d'argan et le bois du palmier. Et toutes les maisons, trois niveaux. Les maisons berbères, il y a trois parties. Il y a le rez-de-chaussée là où on trouve du moulin, comme vous voyez, et tout le reste, c'est pour les animaux, les étables. Bien sûr, l'habitation au premier étage et les invités au deuxième étage. L'habitation est prête pour les invités. C'est comme ça. Et bon, c'est des moulins en pierre. Et avec ça, on peut faire l'huile d'argan. Et le fruit d'argan, le voilà. C'est de noix d'argan. Alors, les noix là, normalement, ça se ramasse au mois d'août, juillet, août. Et quand c'est sec, on peut le stocker dans un grenier pour 10 années sans problème. Et comme ça, on a toujours le fruit, on peut faire l'huile dès qu'on a besoin. Alors, on va casser une pour voir. On a la première écorce, parce que l'argan, ça se trouve uniquement dans cette région, on ne peut pas le trouver ailleurs. Alors c'est bien de savoir tout ce que, à quoi ça sert. Par exemple, la première peau là, c'est la nourriture de bêtes, les vaches et les chèvres. Il aime beaucoup. Et ça, on doit le casser encore une fois. Comme ça, un par un, toujours. Et voilà l'amande avec... On fait l'huile. Et la deuxième partie là, l'écorce, c'est pour le feu, pour allumer le feu. Tout utilisé. Et l'amande là, avant de le passer au moulin, il faut le faire griller, il faut le faire torréfier. Et après, on le met là et on tourne la pierre, bien sûr. Voilà, regarde, c'est juste pierre sur pierre. Comme ça, le jus, ça coule ici. Et après, il faut bien le malaxer avec les mains pour sortir l'huile. Et ça, c'est le déchet de l'huile. C'est le tortou qu'on donne aux vaches aussi. Alors comme ça, vous savez qu'il n'y a pas de perte du tout. Tout utilisé. L'huile, on les garde. Et le reste de l'huile, c'est donné aux vaches. Mais maintenant, c'est comme une pierre. Il faut le mettre dans l'eau pour que ça revienne mou. Comme ça, les vaches, ils peuvent le manger. Alors c'est comme ça la préparation de l'huile d'argan et c'est pareil, le même moulin pour faire ce qu'on appelle amelou. Amelou, c'est la confiture d'amandes. C'est des amandes toujours d'amandier, fait griller, après c'est mis là dans le trou avec un petit peu de l'huile d'argan. Alors si on a les moyens, bien sûr, on peut ajouter du miel, mais sinon on peut mettre juste des morceaux de sucre, seulement juste pour faire un peu le sucré, le goût, et puis c'est bon, voilà, c'est ça le moulin. Et c'est toujours utilisé, encore aujourd'hui. Celui-là, c'est pour écraser tout ce qui est sec, comme les épices, comme du henné, du poivre, cumin, ça c'est un autre moulin différent, juste pour faire la poudre, c'est comme moulinex, ça c'est moulinex manuel berbère. Là, il y a un autre moulin. Regarde, c'est différent. C'est pas très connu. Celui-là, c'est pour faire de la farine.
En dat is voor brood te maken, ja. Goed, pour le pain et pour le couscous, bien sûr. Voilà, brood ça c'est les... couscous. Ça, c'est ce qu'on cultive partout dans les montagnes. Vous avez vu, par exemple, parfois, on dirait les marches comme l'escalier dans les montagnes très loin. Ça, c'est des petites terrasses cultivées de l'orge. Parce que ça, il n'est pas très gourmand d'eau. Ça veut dire qu'il ne demande pas beaucoup d'eau. S'il pleut juste 2-3 fois dans la saison, ça pousse bien. C'est pas comme du blé. Alors, voilà, il faut le mettre là. Kijk, comme ça. Daar in het midden, dan moet je dat gooien. Kijk, kijk, kijk. Hè. On tourne. Comme ça. Kijk, kijk, kijk. Voilà. Voilà. Vertrokken. Vous voyez? Et la farine, ça tombe petit à petit, là dans le trou. Voilà, daar valt on de bloemen. On récupère là et on le passe au tamis. Et regarde la différence. Kijk, bien sûr. En dat is de bloem die je maakt. Ja. Huh? Kijk. Kijk. Dat is bloem. En met dat bloem kun je brood en cake maken. Hier. Wat moet je dan doen? Ah ja. Je moet het nog een beetje zeven. Pour tamiser. Ja. Comme ça. Zeven. En dan heb je heel fijne bloem. La farine pour le pain. Et ça c'est pour donner aux poules. Comme ça, toujours, ça va être titulisé. Vous voyez là, le plafond, c'est différent. C'est fait avec tout du bois d'argane et même des pierres. Vous voyez que le plafond est fait avec des stokken van de bomen. Et là, de palmbomen et de arganbomen. Les tables. Normalement, cette partie, c'est pour la vache. Et la partie là, c'est pour l'âne. Et c'est pour mettre la vache. Ah. Et ici, pour mettre l'âne. Pas parce que la viande est plus. Non, non, parce que c'est pas vraiment pour la viande. Yeah. Non, les vaches, c'est pas fait pour la viande. C'est fait pour le lait, le petit lait, le beurre ou le veau. Non, c'est pas pour la viande. La place pour mettre la vache, les chèvres, les moutons. Wow, ok. C'est pour tirer l'eau du puits. Ah, ja. C'est une sorte de poulie. Ja. C'est om water uit de put te halen. Alors, on prend ça avec. Oui, ça, normalement, c'est l'équipement qu'on porte au champ pour tirer l'eau. Ah, ja. Et quand on est fini, il faut qu'on le ramène aussi avec nous à la maison. Parce que si on l'a perdu, ou bien si quelqu'un la casse, alors pour les arbres, comment on va tirer l'eau? Le matériel pour travailler dans les champs, c'est voilà, comme un soc, ou bien comme une arrière, charrue, le mortier aussi en bois. Les forches, regardez les forches traditionnelles. Il faut trouver le bois un peu léger, parce que c'est un travail continu de... Voilà. Avant c'était avec des ânes en battre, on fait la séparation du paille et les grains. Il est pas méchant. Thank you.